Donc, oui, tiens. ອັງຢູ່ໃນພະກາມົນຕໍກະຈຳນາການນິຕິວິທີສໍາລະການມົນປດອລວິທິການຈຸນເຕ ឬបញ្ហានេះនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយហេតុអង្គជំរះទទួលពីនិតប្រតិចរិទ្ធសម្រាប់ការនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធឲ្យបានមកចាត់ជាមុនសិនជាបន្តទៅនេះឲ្យមេផ្ដាល់វិធានការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្រីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីបច្ចិមសូមអញ្ជើញ Mr. President, with permission of counsel for Khieu Somphan, I would like to ask a question following up on the earlier discussion in respect of the redacted version of the statement of this witness. We now have received the non-redacted version. Caviardé is the French word, I understand, for redacted. So I would like to ask one quick follow-up question to the witness, specifically in respect of E127/7.1.4. Mr. Bekchim earlier asked you a question whether you know if any former cadres from the Southwest Zone or Northwest Zone still live in Udor Menchi province. You answered this question coming from investigators as well, and you referred to two people that I would like to ask you further questions about. In answer 45, you referred to a person called Hun, who now is a major general and also an advisor to the Prime Minister, and to Khieu, a brigadier general, and that both of them are living nearby Trapang Prasat Market. These two men, Hun and Khieu, were they cadres from the Southwest Zone or the Northwest Zone? I'm having your statement in front of me, Mr. Bekchim, and you are saying, and I quote literally, another man is Hun. He is now a major general and also an advisor to the Prime Minister. And another man is Khieu, a brigadier general. Both of them are living nearby Trapang Prasat Market. So I'm reading just from your statement. My only question is whether they cadres from the Southwest Zone or the Northwest Zone. Mr. President, I might suggest to council that they read, I guess it's Khmer Council, National Council isn't here, but I'm pretty sure he's mispronouncing at least the last name, but I think a Khmer speaker would be better to pronounce these names. Maybe you can help me. ហ៊ុនខៀវកៅបាទសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះទី1គឺឈ្មោះហ៊ឿនហើយទី2ឈ្មោះកៅបាទ
ហ៊ុនជាកម្មបាកងតបកែវក៏កម្មបាកងតបដែរហល់ថ្ងៃនៅខាងពេញផ្សារគឺធ្វើតបជាប់រហូតមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាកងពលសត្វទីប្រឹក្សាទាំងអស់ឲ្យពួកThank you for clarification, but my question was were they Southwest Zone cadres or Northwest Zone cadres? មកពីនេះដៃផ្នែកកពតពតទាំងអស់ Thank you very much. Thank you, Mr. President. សូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមអរគុណលោកប្រធានBonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Arthur Verken. Je suis un des avocats de monsieur Khieu Samphan. Je sais que vous êtes fatigué. On vous a posé beaucoup de questions. Et j'ai bien conscience d'arriver à la fin. Alors, je vais essayer de centrer mes questions le plus possible et bien évidemment de ne pas reposer questions qui auraient déjà été posées par les parties à cette barre. En revanche, il peut m'arriver de vous poser des questions qui vous ont déjà été posées lors de vos 8 auditions, mais cela est tout à fait normal puisque vous êtes justement ici pour répéter à la barre vos réponses. Alors, ma première série de questions va concerner la guerre civile entre 1970 et 1975 dans votre région. Et je voudrais savoir si vous êtes en mesure de nous décrire les combats, les bombardements, les événements de type guerrier qui ont eu lieu dans le district de Tramkak entre 1970 et 1975. Je voudrais savoir si, selon vous, selon votre vision des choses, et ce que vous avez pu constater, il s'agissait de combats violents avec de nombreuses victimes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? ការប្រយុទ្ធសង្គ្រាមផ្លេចសង្គ្រាមអីនេះគឺមានសភាពខ្លាំងក្លាតតល់គ្នារៀងខាងកងទ័ពលន់នល់កងទ័ពខ្មែរយើងទៅមួយហ្នឹងខាងនោះលន់នល់ខាងនេះខ្មែរក្ហមជល់គ្នាទៅគឺប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាបានមិនប្រមាណខែខ្ញុំមិនចាំប្រយុទ្ធនឹងកម្រិតឡើងដល់កប៉ាល់ហោះ200យប់200ថ្ងៃចឹងយប់ទាំងថ្ងៃដេកក្នុងថងសេខ្ញុំហៀបជូនខ្ញុំញាក់សាច់មើលថងណាសេណាធំដល់ណារហោថងសេចូលលេខព្រឹកឡើងមិនចេញទៀតព្រោះយប់លេងរូមកទាំងខ្សែទាំងខ្សែទំលាក់ចុងនំឯមៀងខាងលេខឈុករូមកចេញបាត់ងើបទៅវិញទៅមក2ទៀតពីស្បូងម្ដងពីជើងម្ដងកើតដល់ប្លែងម្ដងហើយជាជនទាំងអស់គឺនៅក្នុងដំបូងមានការលំបាកភ័យខ្លាចដាំភ្លើងហូបបាយអត់ទេអាចារ្យផើងមួយបក់ផ្សែងឬកម៉ាបក់ផ្សែងហើយដេញដុតភ្លើងដាំហើយឃើញផ្សែងហ្នឹងបើហោះទម្លាក់
ដល់ម៉ាក់ហ្នឹងគិតគិតច្រើនគាត់រំតោចស្អីចឹងដល់ទប់ទល់បានឆ្នាំជាធ្វើធ្វើផលលំបាកផងឆ្លងកាត់ផងចឹងតែរឿងវាឆ្កោតច្រើនកំឡុងជាជនកងនៅលើខាងមុនមកហ្នឹងកងបរោះហ្នឹងដឹកបាយតាតាដែល จ๊ะๆเธอเชียลដាក់บายដាក់ជូនថ្មភូមិនៅខាងជំនឿខ្លៃៗខ្លះគេថាបានកាយធ្វើជាលឹងឬក៏ថតនឹងបានកាយតែមិនទីខ្ញុំបយលបើបានគិតចឹងខ្លះចាប់វាយចឹងបានកាយធ្វើជាលឹងទៅបានកាយជាលឹងជាលឹងដាក់បាយឲ្យកងត្រាប់នៅថ្មភូមិ Vous avez bien raison, ma question était trop longue, mais elle concernait surtout les combats et la violence de ces combats. Et justement, avez-vous entendu parler, ou pu constater vous-même, des combats autour d'Angtasom? Est-ce que c'est un coin que vous connaissez? Y a-t-il eu des combats violents, si vous le savez, dans cette région d'Angtasom? Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous demander si vous avez eu connaissance, d'une manière ou d'une autre, du fait qu'entre 1970 et 1975, des soldats nord-vietnamiens présents donc, au Cambodge se servaient des villages Khmer comme de boucliers humains pour faire face au bombardement de la République Khmer et de ses alliés. Est-ce que c'est une pratique des soldats nord-vietnamiens dont vous avez été informé ou pas? Je vous remercie. Est-ce que, par ailleurs, toujours pendant cette période entre 70 et 1975, vous avez été informé de ce que les forces armées de la République Khmer, donc de Lon Nol, ou l'armée sud-vietnamienne, qui était son allié, commettaient des exactions à l'égard des Vietnamiens qui vivaient dans votre district? เวียดนามจึงได้มานองอดมีอนาคมเพียงกําไห้ให้โอเคมอเกมอปรับทําเท่าตะตรงทําเท่าให้มาต่อกําเรียมกําไห้ไม่บ่าวุฒิบ่ยิงอยู่อาวุธต่อได้เวะดอกไทยแลงเท่าแช่ตะเตียดแช่ในทางบ้านดอกนี้มื้อนี้เตียด
chẳng ăn miên để. Monsieur Pechim, je vous arrête parce que je n'ai pas parlé des Nord-Vietnamiens, mais des Sud-Vietnamiens cette fois-ci. Je vous ai demandé si les Sud-Vietnamiens commettaient des exactions à l'égard des Vietnamiens vivant dans votre district. Ou les soldats de Lon Nol. Miền này lại chỉ Việt Nam đâu, Việt Nam rồi mình khởi mà thành chỉ mui khné, gần nó Việt Nam mui khné nữa, thành chỉ mui Việt Nam kháng đi nữa, quay khné miền, giết nó sa cu đồ ăn mà xong. Nó chung với nhau là xong. Mình sẽ con xa lốp á. Con xa lốp đạp chọp chung với nhau. Lốp buôn nọp phúm. Lốp thầm có buôn nọp phúm. Mình buôn nọp con. Mà con tối. Mà rãn nọp tối. Con xa lốp. Chung với buôn nọp á. Nhưng xong mà chạy chung khay khay vậy nè. Việt Nam hàng số 4. Rút phiếu cái nó chú muối. Nó chú muối luôn nào. Bà chì đầy luôn bà phê là chanh sẽ cảm thấy bà dốt cứ chú muối khá nìa. มอยมวยគ្នាមានត្រង់ទ្រីធំបើគេមិនមកទេហ៊ានខ្វែខ្លួនឯងមកគ្នាតិចមានត្រង់ទ្រីតូចចាញ់ល្មមៗចាញ់ម៉ងគឺចាញ់ពីទីក្រុងចាញ់ពីទីតាំងសុំអស់ Je vais essayer de préciser peut-être ma question pour vous aider à y répondre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez des informations relatives à des exactions, des massacres, des mauvais traitements qui auraient été commis par l'armée de Lon Nol ou ses alliés sud-vietnamiens. Contre la population civile vietnamienne qui vivait dans votre district. C'est ça qui m'intéresse. Soit vous avez des informations, vous avez été au courant de certains massacres, ou pas. Voilà. Et si oui, je vous remercie de décrire ce que vous savez. Nhóm mình đạp thằng năng ăn dưa. Mình hiểu sai ăn châu, ăn chạm. Dù bạch lấy chạy chạm á, mình sai rồi đã viên dù phê. Nhóm sao ăn toàn. Cầm làng xoay. Và nhà có thái mà nội môn này. D'accord. Je vous le promets, autant que possible. Je voudrais revenir maintenant sur une question qui vous a été posée hier, avant-hier, pardon, le 22 avril 2015, par M. Lisak, procureur adjoint. Il était 10h33 et 13 secondes.
Et le procureur vous a demandé la chose suivante. Je vais lire sa question. Il vous a dit, monsieur le témoin, j'aimerais passer au sujet des Vietnamiens qui étaient liés au district de Tram Cac. J'aimerais savoir ce qu'il est arrivé aux Vietnamiens qui vivaient dans ce district et dans la province de Takeo. Après, je souligne, c'est moi qui souligne, après le 17 avril 1975. Et vous avez répondu, je vais lire votre réponse. À l'époque, des soldats vietnamiens étaient partout dans le district de Tram Cac. Ce n'étaient pas seulement des civils. Ils étaient... Les soldats se trouvaient également dans la forêt. Des Vietnamiens faisaient des échanges commerciaux avec les Cambodgiens. Donc, les soldats vietnamiens qui le faisaient avec des soldats cambodgiens. Et avant de faire, la règle était qu'ils nous demandaient l'autorisation quand ils nous achetaient du riz. Nous, on vendait au gros. À l'époque, le parti s'est arrangé avec le Vietnam pour le rapatriement des Vietnamiens au Vietnam. Et puis, les Vietnamiens sont rentrés au Vietnam. Je parle des soldats vietnamiens. Le rapatriement a pris seulement 2 jours. Notre demande à l'époque consistait également de rapatrier également des civils vietnamiens en même temps que les soldats vietnamiens. Fin de la citation. Ma question est la suivante. Le procureur vous a posé une question qui portait sur la période postérieure, la période qui venait après le 17 avril 1975. En réentendant aujourd'hui cette question et cette réponse, est-ce que vous pouvez confirmer que votre réponse portait bien sur la période postérieure, c'est-à-dire la période qui venait après le 17 avril 1975? เพียง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 
Merci, M. Pechim. Nous avons eu à cette même barre le 17 mars 2015 le témoin Riel San, qui était un ancien chef d'hôpital. Et il est donc venu ce 17 mars 2015, c'est la cote E1, barre de fraction 278.1. Et juste après 10h53 minutes et 24 secondes, il a évoqué la personnalité de Ye Khom. Excusez la présentation, il s'agit de la fille de Tamok, qui était chef de district de Tramkak. Et voilà ce qu'il a dit. On lui posait la question suivante. Pourriez-vous décrire à la chambre quel genre de chef de district était Ye Khom et que lui est-il arrivé? Voilà sa réponse. À cette époque, Ye Khom était secrétaire du district, mais elle est par la suite devenue folle. Elle n'arrêtait pas de dire des mots. Quand je la rencontrais, parfois elle m'ordonnait de couper de gros arbres et de creuser le sol pour en retirer les racines. Mais en fait, elle était simplement folle. Fin de la citation. Vous-même, ce matin, lorsque vous avez été interrogé sur cette même fille de Tamok, vous avez évoqué son instabilité mentale. Et ma question est la suivante. Je voudrais savoir si, puisque vous avez été l'adjoint de Khom, est-ce qu'elle était déjà instable mentalement avant de quitter son poste de district? Qu'avez-vous pu constater de ce point de vue-là? เป็ดก้องน่ะมือยกเป็ดเวียดนามทีนไอ้ที่เพียทั้งอ๋อนี่น่ะชื่อคือตะไส้ประสาทจะจังให้แม่นะก่อนสกูดอยู่กอลจรัดมันครบตึกไอ้จังมันนี่มันเอาทางนั้นก็ปะปอลไส้ประสาทของรัฐมันนั่ง ก็จัดเช่ามัดหน้ามันชอบชื่อยังมันน้องเราชื่อยังให้มันดังประวัติเราชื่อมันน้องถ้าการชื่อเลือกมุ่นตัวมือชี้สกุลเวียดนามจังมาโยเวียดนามมามือนนั่นไกลนั่งภูมิแบงค์มอน เรายอมมอกเอาอัดจีอัดไอ้ขู่คลาสัตว์เจาะกาเอาสมุดอันเมียนคันทลาอย่างความโยกกาทลายไอ้มันน่าเรียบจำยีลงตาได้เรียบจะเปล่าลังวิ่งก็ยังมันจีพอครบยังมันน่ารอดรอรอดาฮอดเปลี่ยนเด็กปูนขมิ้นขมิ้น Monsieur Pechim, je voudrais savoir si elle a continué à travailler jusqu'à ce que, par exemple, vous trouviez ce médecin vietnamien. Est-ce qu'au moment où vous avez trouvé le médecin vietnamien, elle était toujours à son poste? Oui ou non? เวียดนามเมืองเราเถอะเราเถอะสมัญจะจมือเมื่อวันที่มันมาขายปีราคาทำเธอการเทียบจับเทียบเราไปใบบุญเลิกสมัญจะจูนจังจะ vous remercie. Ce médecin vietnamien, il était affilié à quel... C'était un médecin qui travaillait au sein du régime Khmer Rouge ou c'était un médecin
D'où venait-il exactement et à quel poste était-il, dans quel hôpital? Pet Vietnam là nó chết chết nghe tam phơi tam đom nó ngày cái chiếc hàng pet nó chặt tròn cái mà chua chỉ mất đó. Pet mai ở miền Việt Nam này. Việt Nam là nâu là không dùng hiệu hàng đào mà nó tam phơi hàng lạnh này. Cái miền mò ăn cái phía cái miền pet miền sét cái cướp tung áo sợi pro. Lòng là lì mấy miền tung áo vừa cắt miền cướp tung áo này chấm băng. Nó cho chạy tròn nó cái chuối. Xong chúng biết bản năng. Merci. Est-ce que vous connaissez une personne appelée Nam Sơn? Nam Sơn. Nam Sơn. Merci. Je voudrais maintenant évoquer avec vous rapidement la personnalité de Tamok. Et je voudrais vous poser une question un petit peu traditionnelle ici, à savoir si vous connaissiez l'expression, le proverbe le concernant qui disait « Au-dessus de Tamok, il n'y a que son chapeau ». Connaissez-vous cette expression et si oui, que signifiait cette expression ? ពាក្យនេះបុរាណមកមិនមែនភាសាទំលឺធំតាមកហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនតាន់កំណត់ជាភាពនៃពាក្យសត្វរបស់ជាតិអត់តាន់ឲ្យចូលទំលឺធំហ្នឹងនឹងតាមកថៃក៏ណាខ្ញុំលឺតែកងឡានថៃចឹងថានៅលឺក្បាលមកមានមួកហើយនៅលឺអីមានមេឃអត់ចាំមិនចាំយើងឲ្យបង្ហើយអស់ពាក្យហ្នឹងដូចជាពាក្យលេងផងលេងផងវាឈឺតមកខ្លះផងហើយក៏តមកក៏ថាអញ្ចឹងក៏មិនដឹងមិនអត់ដែរឮបាទនេះឮតែគេនិយាយអញ្ចឹងជីឡានតែឮឡានថាអ្នកឡានថាមកតែផ្ដាច់ខ្លួនមកឲ្យមកលេងសោកម្ដងឆ្នាំ2000គាត់ជិះឡានមកយកមួយថ្ងៃដល់ភ្នំពេញហើយបានឆ្លងទៅដល់នោះជិះទើសភ្លឺអត់មានបានទេគួយជុំ D'accord. ហើយតែនឹកអូ Très bien. Hier vous avez justement parlé un peu de la relation entre Pol Pot et Tamok et vous avez évoqué le fait qu'ils étaient en conflit. Vous avez, je crois, sous votre contrôle, mais vous pouvez préciser, parler de fin 78, début 79. Et ma question consiste à vous demander si vous aviez eu connaissance d'une tension, d'un conflit entre Pol Pot et Tamok avant cette période de fin 78-79, puisque vous saviez qu'il y avait une tension entre ces deux politiques. Et pour être complet, je voudrais aussi vous demander si vous le savez, est-ce que Pol Pot, à votre connaissance, redoutait Tamok? បានអរភាពការហួសផុតអស់ហើយមកខ្ញុំដឹងដល់ចិត្តនឹងមកពេលចោះនេះខាងសន្តិបាតមួយហើយគេដាក់ខ្ញុំខ្វែកងឿន
Monsieur Pechim, ma question est très simple et vous pouvez répondre par la négative. Pendant la période 1975-1979, c'est-à-dire pendant le régime du Kampuchea démocratique, à votre connaissance, Pol Pot redoutait-il Tamok ou y avait-il des conflits entre ces deux personnes pendant le Kampuchea démocratique, à votre connaissance? I have no objection to the question about whether there were conflicts between Pol Pot and Tamok between that period. I do have an objection to the question as to whether Pol Pot feared Tamok. I don't know how this witness would be in any position to answer that. The counsel was leading before, but as to the question as to whether he's aware of any evidence of conflicts prior to 1979, I have no objection. Mais s'il n'est pas en mesure de répondre, il le dira. Je ne lui ai pas demandé de spéculer, je lui ai juste demandé s'il avait été informé de telle chose au même titre qu'il avait pu entendre l'expression au-dessus de Tamok, il n'y a que son chapeau. Donc, monsieur, que les choses soient bien claires, je ne vous demande pas de spéculer, je vous demande juste de dire si vous avez été informé de l'existence d'une tension entre Tamok et Pol Pot pendant la période du Kampuchea démocratique. ไม่นั่นมันจ๊อกนี่บ่เป็นมุนเตรานี่นะบ่าน่ะสะสัยเกเมธีวีสู่แต่อํารงกัมพูชาชิปไตยเด้อํารงឆ្នាំ 1979 คือบ่าได้ทางในក្នុងระบบกัมพูชาประชาธิปไตยเปิ้งลิ้งในลายได้ฉะนั้นคราวปีนี้คือมันบ่ฉลายตอบเด้ได้យើងបានជម្រាបហើយជិះវាងក្នុងការឆ្លើយឆ្លើយវែងអនឡាញផុត Merci, Monsieur le Président, pour cette précision que j'allais faire également. Je vais changer de sujet, Monsieur, et je voudrais maintenant vous poser une question sur votre frère. Vous avez été interrogé par les enquêteurs du tribunal à plusieurs reprises, et notamment le 26 juin 2006. C'est la cote E127, barre de fraction 1.4, en réponse numéro 8. Et vous avez alors indiqué que votre frère biologique, appelé Kit, avait remplacé Prakyut à la tête de la région ou du secteur, c'est la même chose ici, numéro 13. Pouvez-vous nous indiquer à quelle date votre frère a remplacé Prakyut? ខ្ញុំជំរាបកាលនោះខ្ញុំមិននៅឆ្ងាយហើយ
ອັດດັງຄາຍງ່າຍບາດຄອນລືຕໍານັງຖ້າລາງຈຸມລູຫັ້ນທາງ Alors peut-être pour vous aider un peu sur cette même question, lorsque vous avez été interrogé le 28 février 2013 par les enquêteurs du tribunal, c'est la cote E127, barre de fraction .1.3, question-réponse numéro 1, vous avez déclaré que vous aviez été envoyé à la zone centrale en même temps que Prak Yut. Et pour continuer, M. Prak Yut a comparu à cette barre dans le premier procès, c'était le 26 janvier 2012. C'est la cote E1, barre de fraction 34.1. À 11h23 et 41 secondes, et il a déclaré qu'il avait été transféré en zone centrale entre février et avril 1977. Ma question est la suivante, est-ce que ces informations que vous avez données, mais que Prak Yut a également données à cette chambre, vous permettent de vous rappeler quand, à quelle date peut-on fixer votre départ, mais aussi le départ de Prak Yut et conséquemment l'arrivée de votre frère? Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur les dates? Et pour être tout à fait clair, pouvez-vous rappeler à la Chambre, selon vous, à quelle date vous êtes parti vers la zone centrale? Ngày 13 chênh tàu. 13 đoàn bấy, 14 chênh mình bênh ra tiền, là phong trạm. Monsieur, ah pardon. D'accord, mais le 13 de quel mois et de quelle année? Le 13 en soi, ça ne dit pas grand-chose. D'accord. Alors pour poursuivre sur cette question, parce que vous avez quand même varié sur cette question, ces premiers jours de comparution à la barre, vous avez semblé fixer votre départ vers la zone centrale en 77, puis ce matin, vous l'avez fixé en 1976, ce que vous confirmez à l'instant. Je voudrais revenir sur un événement qui permettra peut-être de
fixer la date, c'est la récompense appelée drapeau rouge d'honneur. Vous avez indiqué à cette barre que vous aviez reçu, votre district avait reçu cette récompense appelée drapeau rouge d'honneur pour les résultats obtenus par votre district au cours de l'année 1976. Donc, puisqu'il s'agit des résultats économiques, notamment de l'année 1976, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu absurde que cette récompense vous soit remise au début de l'année 1976 ? Est-ce que cette remarque vous permet peut-être de choisir de façon un peu plus logique entre les deux dates que vous avez vous-même indiquées qui sont différentes ? 76 ou 77. ហើយនឹងបកខខតាំងពីថ្ងៃចោះដំបងមកតាំងសំភារដំបងនោះចាស់ខ្ញុំមកខ្ញុំថាចិត្តปันจะนำខ្ញុំថាចិត្តMonsieur, j'ai sous les yeux la traduction de l'étendard révolutionnaire du 6 juin 1977, c'est le document E3, barre de fraction 135, qui annonce, donc en juin 1977, la remise du drapeau rouge d'honneur pour l'année 1976 à votre district de Tramkak. Alors, est-ce que vous étiez en poste au district de Tramkak au moment de la remise de ce drapeau rouge d'honneur? ຕະຫມົກນະປະກົນຫມໍດັກເລືອດຕົກອັນແມ່ນຈູນໄດ້ຕົກຈັ່ງໃຫ້ຍັງຄຸຍຕົກນັ້ນກອດການມາດັກປົກຈູນແນ່ປະ Je vous remercie pour cette précision, monsieur, qui fixe, à mon sens, les dates que je recherchais. À cette barre, vous avez évoqué plusieurs fois une dame appelée Bonne.
Pouvez-vous nous indiquer quelles furent les fonctions de cette dame au sein du district et à quelle date elle a occupé ces fonctions, si vous le savez? Quand je me suis dit que je ne suis pas un hai kinh khom chênh hô mò nâng còn miên man lang mà chô chức srok đai rư ọt ọt đằng Mais alors, si vous n'en avez aucune idée, pourquoi en parlez-vous spontanément? Hay lưu cả nút xong mà chạy chun mà khai bạt bị khai bạt còn là lưu thơ cá đó họ đăng bằng kia bằng đăng toàn ban mà cả thương mê tinh ấy toàn ban cái đăng tu trang khai khai phong là ban phong bạt tiệt làng tàu lưu tiệt làng tàu tiệt phiếp ca sang kriêm thơ ôi chìa mập thằng o tao rụi đó và mình chân về trần phiệp ca hãy chăm mà dương mò ruộng đang đá và dương chân hai mò dương mò đại tiết trong chạ chun chân hãy bươn nắng hiểm xa giấy nắng càng nghĩ ai ra cho nó rạp khí cất cái hiền lông bộ hiểm cái phòng cai pi sầm hú là nó chia chân cục không chia chân nhóm có chui cọt cọt chúng khum bằng ai bà sọc. D'accord monsieur, merci pour cette précision. Je voudrais maintenant vous poser une question de géographie concernant votre district. Je voudrais que vous me disiez si la frontière est du district de Tram Kak suivait la ligne du chemin de fer. Où est-ce qu'elle était, est-ce qu'elle concordait, cette frontière est du district de Tram Kak, avec la ligne du chemin de fer? Trap tongue a lane Tam Projit, can lake crong. Dalmot bong, Dalmot jung, good hat. Chat your cum of young wood in. Hong sok trang. Mul had yo. Sok tang chold out now. Sok tang cut chold out. Nó phùm xa thằng kriêm chẳng. Kì chỗ đó cái thử bà anh miến, miến chỗ nào mà. Chẳng cái organization. Kháng bốn mà chẳng nè. Kháng cắt lâu tệp lường. Bộ kì miến đây bằng ai cho bị cõi. Thì trọng, đựng chun khóm xếu, tao ruồi. Kháng nó tao ọt ruồi. Ất chân ơn. Xong ơ. Je voudrais savoir si je dois comprendre de votre réponse que la ligne de chemin de fer traversait le district de Tram Kak à un endroit. Que
chênh tạc đá con mò mà đó là à sau cho piêm nó rồi trẻ phương nó không à đây khlang thầm nắng thằng sau cho piêm nó khlang mà chương mà à mình chú con rồi ra nó nắng rồi nó chạy nha thầm trẻ phương nó vậy bằng nắng nó chạp chạm chạp score. Oui, merci monsieur, mais je voudrais que vous vous concentriez un instant sur ma question. Je la répète, la ligne de chemin de fer passait-elle à l'intérieur des terres du district de Tramkak, oui ou non? Ou est-ce que pour rejoindre la ligne de chemin de fer, il fallait sortir du territoire du district de Tramkak? ទឹកដីរបស់ស្រុកត្រាំកក់នឹងបានទៅដល់ផ្លូវទិសភ្លើងមានកាត់ប្រទេសភ្លើងនឹងកាត់ឬស្រុកត្រាំកក់ច្រាំងក៏កាត់ Connaissez-vous un endroit, un lieu appelé Ho Chambak? Et si oui, cet endroit se trouve-t-il dans le district de Tramkak? Je vais répéter le nom. Ho Chambak. Très bien, mais savez-vous si cet endroit, Ho Chambak, était sur le territoire du district de Tramkak, oui ou non, ou à l'extérieur du territoire? มันได้สลับสกอลหรือก็สกอลให้พลิกวิ่งเพิ่นมันนึกเคยเอาจําบ่มีนมลมไหลกรองนั้นมันมีนมันมีนเด้อันมีนโอเด้เคยนอกน้องตรังมันฉบับให้สมลอง Très bien, merci pour cette précision, monsieur. Savez-vous si, durant le régime du Kampuchea démocratique, on a construit des canaux qui partaient du lac d'eau douce de Takeo pour irriguer le district de Tramkak? Takeo, savez-vous si durant le régime de 1975 à 1979, on a construit des canaux qui partaient du lac de Takeo vers le district de Tramkak pour irriguer? Est-ce que vous avez connaissance de tels travaux ou non? Je
mien thơ men san thơ ta ngày muoi khnyom mo jus ai mo chứ ka nang mo leing a chul bong ai đây leing ni mai đây muoi thêm mo yok thơ ai nang chơ thơ lai bom tực chuom san nang tha đây ye vô nhap tọt đal nu đal nu ngày phực lang mo vinh ai đó đây ka nà chăng chảnh bong có ở ban đây muoi khnie phu mon tu nhưng mà đây ăn cá đâu rồi ăn cá miền man đấy dục số dục bột tam toán tôi vinh đang dục bột mò cái này nhá đi sai mò dục bột mò tôi vinh đang dục rồi phong cha mới phư càng nghe suyết là mình thích nhá cô mê nhật xong ó san thơ Est-ce que vous savez si on a construit ce canal en commençant les travaux depuis le lac de Takeo ou est-ce qu'on a construit ce canal en commençant les travaux depuis Tramcock, ni tàu tàu cài vinh chi, ta lục đằng tàu cài chạm đàm, chi pi khang na tàu khang na. Je vais reposer ma question. Apparemment, vous ne l'avez pas. Xuống chi bom tức bị cái ông làng lừ mà lại bồ nhằm chụp san thơ nặng ở lâu xua chưa bị tham cọ bà lai bị bỏ bậy bị pi là pi cụp xua tờ muối cho lại mày chàng tươi mà chụp này chứ cho lại thả ấy xong mà cho lại Hier, un des juges de cette chambre vous a posé des questions sur l'éventuelle visite de messieurs Nunchia et Kyo Sampan sur des chantiers de construction de canaux. Et vous avez justement indiqué que, je vous lis, il était après 11h39 et 54 secondes, et vous avez dit je savais qu'il était venu à cette époque, mais je ne sais pas en quel endroit il s'est rendu exactement, et où je l'ai, ni où je l'ai rencontré. Il s'est rendu là-bas, il y avait quelqu'un qui s'appelait Sen, qui s'est rendu dans les coopératives. À mon souvenir, je ne l'ai jamais accompagné car j'avais d'autres tâches à accomplir sur le front. D'autres personnes se sont occupées de sa visite, donc je ne suis pas certain, mais effectivement, il s'est rendu dans les coopératives. Fin de citation. Donc pour l'instant, je m'arrête là. Et je voudrais vous demander, est-ce que d'abord le Sen dont vous avez parlé hier est celui que vous venez de citer à l'instant? Và bình xác miền dây sên đang thả khu sên nóng nóng bằng khu sân phán tà lê tà trà sân ác cách
ปั่นខ្ញុំនឹកហូននឹកឃើញកាលនឹងអញទទួលគាត់ខាងណាខ្ញុំមិនខំឲ្យនៅទទួលការងារអីផ្សេងនឹងប្រហែលចឹងឯងបានសំភ្លេចសេនឹងនំទីនំពេញទីពេញជូនលោកនួនជាលោកខៀនផាន់ទៅ Et cette visite à laquelle vous n'assistez pas, d'après vous, à votre connaissance, elle aurait eu lieu quand? À quelle date? Quelle année? Quel mois, si vous vous en souvenez? Et qui vous a parlé de cette visite? Et vous souvenez-vous de qui vous en a parlé? Comment vous l'avez su? Nước khơi nhờ. Càng lúc nhóm nâu cả đá lại. Hay nhóm tôi lấy lưu thả băng khơi làm phát ngày muốn mòn đi. Mà thèm cọ. Nhưng xên chun mò. Nhóm nâu bông cha mời. Thôi mò phần năng. D'accord. Donc, on vous a dit, mais vous ne vous souvenez pas qui. C'est bien ça. Et pas eu la réponse en français, Monsieur le Président. On n'a pas eu la réponse en français. ภาษาอังกฤษศาสนะในกิจของลูกคือสัมพันธ์นึงลูกคือการนึกย้อมตนอภิกดาลให้ตามมอลิง một tờ kéo mỏ cái phạm nặng tí rồi phạm phá thả bằng khuyên phán tâm mò vô sên chung tâu gật mò đó ấy gật thật gật thư tờ nạ cách mà mưa sâu sẻ phá làm nam dương phần nắng có đăng xung bình đăng xâm ọ. C'est sa réponse, Monsieur le Président. Bah, Kun, l'année d'après le Sambrahaï, on va faire Sambrahaï.
ចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 3:00 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ការសម្ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួចផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំពិមាក់ស័ក្តិសិទ្ធិនិងអ្នកជំនាញដល់ស័ក្តិសិទ្ធិរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងវេទវិប្រឹក្សាមកកាន់កន្លែងផ្ដល់កម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ការនេះនៅវេលាម៉ោង 3:00សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោយចូល